je me suis levée tôt aujourd'hui, puis j'ai décidé de laver mes planchers, épousseter ma chambre comme il faut. Fait que j'ai tout tassé. C'est enlevé la poussière qu'il y avait partout en dessous du lit, en arrière des meubles. Ça fait vraiment du bien. Fait que c'est ça. Donc, tout est net. Wouhou! J'avais des paniers qui roulaient là, pour mettre comme en dessous. Je les ai enlevés. Fait que là, tout est propre. Tout est au lavage. C'était net. Juste le rideau-là qui n'a jamais été installé. Un jour, un jour. Puis j'ai remonté le panier à linge, mais c'est ça. Fait que là, mission lavage en même temps. Fait que c'est ça. Longtemps, c'est fait. Oh. Yay! Chambre était propre. Puis ça sent bon. Il est un charlot. Sur la chambre. J'ai ouvert la fenêtre, puis laisser ça vraiment aéré, ça va être encore mieux. Nettoyage. Un ménage printemps. Ménage de fin de saison. Donc on y va, Charlot. Sors de la chambre. Je vais fermer la porte parce que sinon, elle va fouiner dans la chambre de la journée. Ok, c'est fait. Là, j'aimerais faire mes planchers partout. Laver ma salle de bain. Puis après ça, je vais aller travailler. Quand je vais aller travailler, ben là, je vais comme plus rider mes lavages en même temps que je travaille. C'est mon plan. Fait que je me lance là-dedans. J'ai chaud déjà. Ah, je suis tellement tannée d'avoir chaud. Mais c'est pas grave. Bon, je passe par-dessus la paille de balayeuse. Puis j'ai encore tout ça là de mon haul. Je dis que si jamais vous ne suivez pas Calou, elle est en train de faire le vlog temps, elle aussi. Puis elle le fait comme tous les jours. Puis en parlant de ça, justement, j'étais comme vraiment dépassée hier là, par les événements. Alors, on dirait qu'il y avait trop de choses à faire, j'ai trop de choses, le ménage, tout me spin la tête. Puis je sais pas si vous êtes comme ça, là, vous autres aussi, mais comme. Genre, moi, quand il y a trop de choses, on dirait que je peux rien faire, rien avance. C'est comme si je viens comme jamais, là, je suis comme. En tout cas, fait que là, j'étais comme ça, je me sentais comme étourdie et comme dépassée par les événements. Puis aussi, comme on dirait quand il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, on dirait que je feel comme toujours comme une espèce de rush en dedans, comme d'être en retard, genre. Puis je suis comme, regarde, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. On dirait que je suis toujours comme, on dirait que je sais pas où me lancer, comme genre, comme hier matin, je m'ai levée, tu sais, puis j'étais comme, ok, tu sais, comme, la tête, c'est comme, faut que je prenne ma douche, tu sais. Je me lave la tête, je sèche les cheveux, faut que je déjeune, faut que je prenne la pilule, faut que je travaille, faut que. Mais on dirait que c'est comme si je voulais être partout en même temps. Faut que je sorte le chien. Mais tu sais, c'est comme des choses normales, genre. Mais c'est comme si, des fois, ça me fait ça. C'est comme si j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout faire, c'est comme, je suis comme, j'attends prendre ma douche, mais on dirait ma tête, et comme, je suis pas supposée être ici, je suis supposée être en train de faire ça, puis comme, je sais pas si ça vous fait ça des fois, là. En vrai, c'est comme, tu me sens comme, en tout cas, je déteste tellement ça, là, ce feeling-là, là. Puis comme, dernièrement, ça me fait ça souvent, plus, là, tu sais, comme, je suis comme, faut que je vlogue, là, faut pas que j'oublie de vlogger, parce que là, j'aurai pas de vidéo, puis là, tout, comme, là, je suis comme, ok, faut que je fasse de la publicité sur Instagram, ok, faut que je fasse de la publicité pour création, moi. Ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Pour André, c'est comme, faut que je réponde à Yel, c'est vrai, faut que je mette sa commande, elle, faut que je dis que sa commande est prête, elle, ok, là, bon, j'en peux faire. André, ma tête est comme de même, là. Puis comme, ça fait mal à la tête, genre, c'est fou, puis comme, André, c'est comme si, quand ça fait ça, genre, ça arrête pas de le faire, ça le fait toute la journée. Puis comme, tu finis avec un gros mal de tête, genre, c'est comme ça, t'es petit, le cerveau, genre. En tout cas, je dirais si vous avez déjà filé ça que je vous ai dit. Mais comme, tu sais, aujourd'hui, je file pas ça. Aujourd'hui, je suis comme, ok, comme une chose à la fois. Puis mon cerveau est comme capable de le diviser comme une chose à la fois, là. Tu sais, comme j'ai beaucoup de commandes à faire, mais je vais laver ma maison parce que ça n'a pas de bon sens. Puis je vais faire mes affaires après. Mais hier, c'est comme si j'étais comme, non, tout le monde m'attend, je peux pas faire mes affaires, puis comme, genre, faut que je fasse mes affaires, ça fait pas de sens, puis quelqu'un va arriver ici, puis c'est dégueulasse, puis nanana. Comme, on dirait que tout est comme, puis là, je suis comme, je veux aller travailler à la shop, puis je veux pas être, je veux être ici, je veux être là-bas, puis là, en tout cas, hier, là, j'étais comme, ok, ben,
Je vais juste fermer mon entreprise, tu sais, comme en 2025, je vais la fermer, puis je vais juste être full-time à la shop avec André. Puis là, je suis comme, ouais, on est clair, reprends-toi, tu sais, puis là, je suis comme, là, après ça, là, je suis comme, oh my god, là, j'ai pris une chose pour faire le marché, puis là, je suis déjà comme rushy, puis j'ai déjà ce feeling-là, puis là, je suis comme, pourquoi est-ce que j'ai ce feeling-là tout le temps? En tout cas. Fait que c'est ça, c'est comme de me lever plus tôt, puis de mieux organiser mes journées. Puis de juste accepter que c'est une chose à la fois, puis d'accepter que, genre, les commandes sortent quand ce qu'ils sortent, c'est moi qui les fais. Puis, parce que les gens sont pas contents, ils sont bon, c'est pas ma faute, tu sais. Mais, comme, tu sais, dans le fond, il y a personne qui est pas content, là, tu sais, c'est juste moi qui s'imagine ça. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas. Là, j'ai juste dit, j'ai mal à la tête, genre, à cause que je m'imagine le feeling que ça fait, genre, c'est tannant. En tout cas, oui, des bouts, oui, ça relève. Allô, maman! Allô! Allô! Fait que c'est ça, je vais continuer. Parce que là, si je parle trop, ben, je vais pas avancer dans mes affaires. Fait que je vais passer à la balieuse, puis je vais pousseter, puis après ça, je vais aller passer. Lilo en complète. Mais ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. La balieuse est toute passée. Il manque juste à ramasser ça. Toutes les planches ont été lavées. Vider mon eau. Puis les restera à laver la salle de bain. Puis la cousine. Je suis chaud. J'ai pris une douche. Hein. Je vais juste reprendre une douche après que j'ai fini le ménage. La seule chose que j'ai pas faite, c'est vider les poubelles. Puis la vaisselle. J'ai comme toute lavé les comptoirs. Là, il est tellement chaud, on va prendre une autre douche. Puis après ça, je vais travailler. Ben, je vais dîner, puis je vais travailler. Ménager fine! Au complet! Il reste quelques lavages, par exemple. Mais c'est parce que j'ai mis les couvre-lits tout à laver, là, parce que tu sais, on avait la grippe. Là. Mon linge, là, les vitres ouvertes, la... Voyons, l'air est dessus. Fait que vous entendez probablement rien, mais je m'en vais à la choppe. Il est 4h, j'ai fini mes commandes pour aujourd'hui. Fait que je vais aller à la choppe une petite heure, puis ensuite je vais arrêter à l'intérieur, puis je vais ramasser des légumes, une petite viande à comme cuit dans la poêle, et ça va être ça, avec du riz. Fait que ça va être ça notre souper. J'ai acheté la petite viande, là, comme déjà toute coupée comme ça, le bœuf. Je n'ai ramassé 2 paquets. J'ai ramassé un brocoli, des piments, des champignons. Je vais aussi cuire un oignon. Puis, je vais faire du riz. Ça va être ça. Une espèce de stir fry. Ben simple. Avec de la sauce d'agneau, là, genre. Puis un petit peu de sauce soya. Puis un petit peu de sauce teriyaki. Vous ne mentirez pas. Normalement, je prends pas de... Je prends pas de planche. Je découpe tout directement, juste comme en faisant ça. Là. Fait que. Fais juste ça pour le show. Fais juste ça pour le show. Fait que j'envoie tout. On coupe tout. Tout à tête, puis on a payé pour ça pour rien. Je sais qu'il y a du bon qui le mange. Moi. Non. Fait que. Coupe ça de même, coupe ça de même, coupe ça de même, coupe ça de même, en petit. Puis, la petite. On va envoyer tout dans le passoir. Normalement, j'ai rien grincé, tu sais. Là, ça fait 2 jours. Pour rien. Pas une femme de centralité. Ça, c'est bizarre. Mais c'est dingue, c'est. Pour rien. Vous me direz si vous êtes comme ça, vous autres aussi. Pis genre, le monde, là. Genre, le monde, ils découpent leurs légumes. Je trouve que c'est comme tout propre. Moi, c'est pas propre. C'est comme, genre, je découpe comme. Arrête! Peut-être. Fait que c'est ça que ça dure, tu sais. Comme ça. On va de même. Je coupe ça de même. Pour pas pogner les vernes.
là. Voilà. Avec ça. Ah, ça va pas. Bien. Ça, je vais rôtir ça dans une poêle avec de l'huile d'olive. Puis, ça va être ça notre souper. Simple de même. Simple de même. Moi, ça, je suis comme vraiment, genre, pour une fan de faire à manger, fait qu'il faut que tout va vite, genre, je suis comme, je sais, j'ai un gros de couteau, et encore là, premier couteau arrive, premier gombrin. Mon Dieu, ils ont beaucoup, 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 beaucoup de graines, c'est bizarre. Mais, oh my god, ça fait du laisse. Puis, tout le monde est comme, tout propre quand ils faisaient ça. Ils doivent prendre leur temps et ils clean tout. Là. Mais moi, je suis comme, tu peux faire ça. Rien que d'avoir pris une planche et de faire ça, je trouve que c'est assez. Ouh! Là, on dirait que je file que j'ai une petite poupée sur le pouce, je sais pas. Mais ça chauffe. Oh my god, c'est pas souvent qu'il y a beaucoup de graines, hein. Non? Là. Puis, après ça, si je veux les plus petits morceaux, je les couperai à mesure. Mais, c'est vraiment ça. Ça va être. Il n'y a rien de égal, inégal. Voilà. Fait que, c'est ça. Vous me direz, qu'est-ce que vous faites, genre, comme. Quand vous voulez faire du souper santé, rapide, moi, ça vient toujours à être ça. Là. Une petite viande, des légumes, même des fois, c'est un sac de légumes congelés, puis du riz. Quoi d'autre que vous mangez, comme que vous trouvez qu'il y a une bonne alternative au riz? On dirait qu'il n'y a rien qui me... Il n'y a rien que je trouve qui est comme vite. Tout est long. Que vous avez des trucs ou quelque chose qui est bon, dites-moi, parce que là, j'essaie de faire manger un petit peu plus. J'espère qu'on est back plus à la maison, on dirait. Là. Je dis ça, mais elle mange juste du McDo au souper. Là, tu vois. Deux éternels ados, moi et André. Je sais, oh, on n'est pas bon, on n'aime pas faire manger. Bon, fait qu'il faut avoir beaucoup de piment. Beaucoup de légumes. Parce que c'est ça que c'est. Un beau mess. Ça. Pas fini. C'est, ben c'est propre comme mes affaires sont propres, mais je dis comme. Faut que je fais à manger. Je fais du mess. André, ça fait jamais rien. Je suis comme, tu fais pas plus à manger. Fait que t'as rien à faire. Allez! Ah, je suis folle. Ouais, fait que c'est ça. Hey, ça. C'est comme si j'ai comme. Je sais pas comment expliquer ça, mais comme. Le dessous et le long du pouce ouvert, sensible, je sais pas. Mais ça me chauffe. Ben! Une chose, d'agnon. Normalement, je suis pas ça de même. Je fais ça. Pas fait le temps, mais. Je trouve de cuisine. Mon couteau à fromage. Là, fait que je vais en mettre la moitié dans l'assiette que je vais cuire la viande. Dans la poêle que je vais cuire la viande, puis l'autre moitié avec les autres légumes de tantôt. Là, ça a été bon, les petites carottes. Je pense que j'en ai plus. Ça me tentait pas d'en acheter, j'étais comme.
Ah, j'ai rampé des maudites carottes. Mais non, t'as fait. Ah, là, c'est une fois que je suis dedans. Comme t'as qu'à être là, t'as qu'à le faire, tu vas le faire. T'as qu'à le faire, tu vas le faire. En vrai, tiens, que je mets les légumes, que je suis comme, il va m'avoir depuis deux jours. Il n'y en a jamais depuis deux jours. Jamais. Comme les gens là, qui font des. Puis je recoupe 5-6 personnes. Même 4, là, une famille de 4. Je suis comme, oh my god, vous devriez toucher des légumes en esti. Moi, là, plus qu'il y a de légumes, plus qu'on mange. C'est même ça qui arrive. Il n'y a pas de. Ah, ça, ça ne coupera pas les carottes. Ah, on va couper. Ouais, plus qu'il y a de légumes, plus qu'on en mange. Ça fait que c'est pas plus que plus qu'il y a de restants. Fait que là, j'avais un petit peu. Ça va. Oups! Ne faisais pas comme moi. Je suis pas une bonne exemple à suivre dans la cuisine. Charlot mange des petites carottes qui fly à terre. Il est trop tard. Ouais, c'est le but là, c'est dégueu. Hein. Dans la réalité du monde qui fait du mess en faisant manger. Que la vaisselle de hier est pas faite. So, je vais couper ça, je mets ça dedans. Ah! Oups! Qu'est-ce que c'était? Avant, j'étais un petit peu plus maniaque sur le lavage de mains. Genre, puis la manipulation. Genre, quand tout est cuit, ça va être cuit. So, faut comme faire la part des choses. Et c'est ça. Ça qui va être. On lunch, puis André, il va être bien content. Puis, il va pas dire un mot parce que il a dit faire manger. Fait que ce soit mangeable ou pas mangeable, il va le manger. J'ai arrêté ce moment, j'aurais starté le cuiseur. Mais, je pense que j'ai des enveloppes de riz. Fait que ça va être ça. Bon, j'ai oublié de mettre le poêle dessus. On va bien. Fait que c'est ça qui est. Il me reste 3 petites carottes, des lobes, des oignons. Fait que. Mon espérance, ça serait qu'il y en aura encore au bout de même. Ça n'arrivera pas. Je le sais que ça n'arrivera pas. Là, dites-moi pas, t'arrêtes plus de manger ton brocoli. Non. Non. Je n'aime pas ça. C'est ça. Oups. Parce que j'aime pas ça. Oh, ça tue ta tête! Mon fils! J'avais passé la balieuse, pis ça a rien servi. Y'a plein de bouffe à terre, pis ça me fait chier. Fait quoi, c'est ça. Quand je suis à manger, ben d'habitude, je vais des vlogs. J'ai mis les plates. Mais. C'est ça aussi. Puis, là, les légumes vont cuire. Puis, quand est-ce que ça va être cuit, mais là, je vais l'envoyer comme tout ensemble. Puis, j'ai les champignons. Mais les champignons, vous êtes à côté dessus.
J'entends toutes les petites graines dans mon entourage. Bravo, Annick. Bravo. André, qui va arriver, il va faire la vaisselle. Il va s'organiser avec toutes les petites graines que j'ai calées à gare. C'est ça que c'est. Bon, la vie de l'angé. Que j'ai pitché la guenille dans le lavage. Puis, je vais assaisonner ça, ça va cuire, il faut le mettre trop haut. Ça rôtit. C'est ça, je vais mettre un petit peu de ça. Un petit peu de ça, cette fois. J'ai mis l'huile d'olive. Ça, je laisse ça rôtir un petit peu. Puis, on y va. Ça, je vais mettre un couvert, comme ça, ça va permettre à la salade de rester ensemble puis de cuire un petit peu plus sans brûler. Ça va cuire. Je vais commencer la viande tranquillement. Puis après ça, je vais mettre un petit mélange de sauce d'ananas avec un petit peu d'eau puis de sauce teriyaki. Je mets tout un petit peu d'eau juste comme le rendre plus liquide, là. Pis ben ça, ben c'est ça, je vais cuire comme. En tout cas, ça va tout tenir avec la même sauce dans le fond. Cute! En fait, j'ai commencé à mettre des petites choses là. Que, les deux boules que je vais utiliser pour faire des fantômes. Et ça, j'ai mis ça là en attendant, mais je vais sortir mes bacs là, tu sais, puis je vais vraiment comme plus décorer là. Mais c'est ça. Parce que là, j'ai rien de sorti encore, là. C'est vraiment juste mes achats de cette année. Et c'est ça qui se passe. J'ai sorti mes coussins. Mon coussin là. J'espère qu'il n'a pas brisé. Ça va pisser sur ma grosse chaise. Puis sur mon coussin. Comme à cuit. Je vais chunker sans en. Si j'ai cuisine avec des ustensiles. J'en ai plein là, des affaires là, pour cuisiner. Mais je reviens toujours à ma bonne vieille fourchette. Je l'ai réchauffé à côté. Hein. J'ai mis un petit peu de teriyaki. Ben, une grosse chunk de teriyaki. Un gros pong. Un petit chut d'eau. Puis la sauce d'Yana. Vous voyez, elle était un petit peu trop doux. Là, fait que j'ai rajouté de la teriyaki. Puis, je vais juste la laisser comme bouillie, épaissie. Puis en bas, petite sauce. C'était plus. Parce que je trouvais qu'il en manquait. Ça vient chercher le jus de la viande de tout à l'heure, pareil. Et mis le feu haut, ça monte vite. Là. Ça se peut, c'est pas mangeable. Là. Faites pas ça. Tant que je faisais à souper, j'étais en train d'écouter le dernier vlog de Tania Bossé. Elle aussi a fait le vlog d'âme. Je suis comme en retard, là. Faut que je n'en watch une coupe. Mais c'est ça. Si jamais vous irez la suivre, fait que Tania Bossé et Calou font le vlog d'âme. Vous irez les voir. Les autres, ils font le vrai vlog d'âme. Tous les jours. On se ment. J'ai pas le temps. Je vais vous dire honnêtement que j'ai. Ça se peut que je le finis pas. J'ai essayé, là, mais. Je suis beaucoup occupée, puis. C'est comme le retour de la routine, c'est difficile, plus la grippe, plus. Etc., etc. En vrai, ça. Mais là, je fais mieux, là. En tout cas, je vais essayer de toffer, mais. Si jamais je finis pas, je finis pas, c'est tout là, t'sais, on se tape pas les doigts pour ça, là. Jusqu'à ce qu'on peut! Fait que, du riz blanc, basmati. Puis, bonne chunk. De légumes et de viande. On va prendre sur la boîte. Je devrais en rester pour demain. Puis j'ai d'autres riz pour demain. Fait que demain, je ferai de nouveau une enveloppe. Yeah! Puis ça, je suis comme dans le boucan.
Avez-vous décoré déjà pour l'automne? Dites-moi ça. J'aimerais savoir, avez-vous décoré pour l'automne? Allez-vous décorer plus Halloween, plus automne? Pas décoré? Vous êtes à la veille de mettre vos choses à Noël? Qu'est-ce qui se passe? Fait que vous me direz ça. C'est quoi votre date, genre, si vous ne l'avez pas déjà mis? Si vous avez déjà décoré dehors? Si vous voulez décorer dehors comme moi, d'habitude, comme... Mettons comme des choses plus comme creepy, j'attends plus comme dans le mois d'octobre. Là. Mais comme, mettons, le reste, ça me dérange pas, là, tu sais. Je vais le mettre n'importe quand. Là. Puis les citrouilles, ben c'est ça, je t'en mettrai n'importe quand, mais j'ai jamais le temps d'aller en chercher. Fait que je vais aller chercher des citrouilles et des mom's flowers. Je commençais à décorer, mais là, je pense que j'ai demandé à André de sortir mes choses à ce temps que ma maison est propre. Parce que moi, on dirait qu'il faut que la maison est propre avant que je décore. C'est ça, vous me direz ça, si vous avez décoré, qu'est-ce que vous faites. J'ai aussi déjà acheté le costume d'Halloween à Charlot, je sais que c'est comme vraiment d'avance, c'est juste qu'il y en avait au Marshalls, puis j'étais là, puis j'ai eu ça, puis j'étais comme... Charlot est avec moi, fait que j'ai essayé, puis j'ai mis, puis j'étais comme perfect, ça fit. Donc, c'est ça, je vais aller souper, je vais me prendre une bonne petite boblie avec ça, s'il en reste. Non, il en reste plus évidemment, André, ils ont-tu mangé? Les autres buts, fait que je vais me prendre un bon verre d'eau puis je vais manger ça. On se reparle plus tard. Mes nouvelles boblies préférées, c'est pas des boblies, c'est des President Choice. Orange et mangue. Non. Attends, je vais aller chercher la boîte. Parce que j'ai la boîte. La boîte est vide. Mandarine orange. C'est les meilleurs. Ils sont doux, je trouve. Le best. Ils sont doux. Des fois, les autres, là, qui sont comme... Voyons. J'ai un blanc. On appelle ça une pomme grenade. Les autres sont à pomme grenade puis bleuet. Des fois, ils me donnent des brûlements. C'est tellement qu'ils sont plus pétillants. C'est là, on dirait plus doux. D'écouter. Je suis plus prête mentalement à ramasser tout mon linge d'été que la semaine passée. On dirait qu'il faisait encore vraiment beau. Aujourd'hui, il faisait vraiment beau. Là. C'est juste que là, je suis vraiment comme... C'est fini. je vais me garder quand même, tu sais, peut-être une paire de shorts, là, mais surtout probablement que... C'est parce que mes biker shorts, tu sais, je les garde à l'année pour aussi que... Je fais de l'exercice, etc. Je fais du ménage, pis ça. Fait que de toute façon, moi, je suis pas stuck. Fait que je vais tout ramasser. Toutes ces petites couleurs pâles, trop comme flash, là, tu sais, que je sais que je porterai pas, là. Ça va être ça. Je ramasse toutes mes robes. On y va! 26? 27. Pourquoi est-ce qui se passe, là? Pourquoi est-ce que je compte, là? C'est parce qu'il faut suivre, là, la gang, là. Il y en avait 25! Dans le bac, 25 choses qui vont aller à la friperie. Là, je suis rendue à 27. 28. 29. On continue. 30. 31. 32. Souvenez, j'avais un défi de 50. 33. 34. 35. 36. Ça, c'est un chandail que j'ai adoré. Mais je ne fais vraiment plus. 37. 38. 39. C'est les faux filets. 40. Non! Non! On continue. 41. 42. 43. 44 et 45. 45 morceaux qui s'en vont à la friperie. Pas bien d'en trouver d'autres, là, mais en tout cas, je suis rendue à 45. Y a beaucoup de chandails comme, ben de, comme des cardigans comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais après un bout, ça devient comme un drôle de feeling.
Puis je réalise comment j'ai comme pas de tolérance. Comme, c'est comme pas dehors, mais c'est comme en dedans. Ça me criche. Je sais pas comment vous dites ça. En tout cas, ça me criche, je les porte pas. Puis ça, c'est la même chose. Ça fait comme des boulous en dedans. En dedans, tu sais. Puis, tu sais, des affaires comme ça, là. Mais il y en a, genre, en dedans de mon cardigan. Et ça me criche. Comme, je m'aperçois que j'ai comme des intolérances sur les vêtements, là. Comme, à ce temps, on dirait, je suis comme, OK, comme, ce tissu-là, ça me tanne. Ça va faire, ça. Sauf que je n'achète plus. On en apprend. Des fois, on dirait que j'avais jamais comme vraiment réalisé ça. J'étais juste comme, ah, je l'aime pas, je t'en ai là. Mais comme, c'est correct, tu sais, de pas aimer une sensation, tu sais, puis de se dire, comme, je suis pas obligée de le porter, fait que je le portais jamais, genre. Mais, tu sais. En tout cas, c'est dû à savoir d'avance, mais c'est aussi que c'est des cardigans qui sont comme quand même très vieux, là, tu sais. Ça fait comme peut-être comme 10 ans que j'ai ça, là. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, mais ça se brise, là, tu sais. En tout cas. Ok, je continue. Ça va bien. J'ai enlevé pas mal de linge. Je vais vous montrer. Linge d'été. Puis moi, je suis pas une fan de porter des tank tops, là, l'hiver, avec des cardigans, mettons, là. Quand est-ce que j'enlève mon cardigan, je vais être en t-shirt, tu sais. Fait que j'ai ramassé mes robes. Des petites choses fleuries, tu sais. Plus comme, on dirait ça, je trouve, c'est plus comme printemps, là, tu sais. C'est ça, mes robes. Des jeans. C'est ça. Fait que je continue, parce qu'il en reste encore. Je suis très tannée. Puis le résultat en haut jusqu'à maintenant. Je rentre à ça, là. Ça commence à s'autonaliser, hein? Nouveau verbe. Ces deux sweatshirts, là, je les garde. C'est comme des sweatshirts que je travaille avec, là. C'est comme lousse, on dirait, là. Avec grand, c'est le fun. Tu sais, il y a des choses qui est comme... qui était en haut de mon garde-robe, qui est comme... pas, je suis pas sa veille de porter, là, comme ce gros, j'en ai un boulou là, mais c'est là. J'aime ça l'automne parce que ça espace mon stuff, là, tu sais. Même ici, là, tu sais, j'ai tout enlevé mes robes. Là, j'ai comme des gens. Là, c'est comme les seuls tank tops que j'ai gardés, là, c'est celui-là, là. C'est qu'il y a comme la brassée intégrée, là. Petit top comme ça, tu sais, je trouve ça va bien avec comme un jean. Petit top comme ça, là, tu sais, ça va bien avec un jean. Ben, c'est ça, je vais tout les ranger là, après. Là. J'en ai un blanc, un noir, puis un comme orangé. Là. Puis après ça, j'ai comme un gris. Ben, c'est pas gris, c'est noir, ça. Je sais pas pourquoi ça ferait gris. En tout cas, ok, je continue. J'ai demandé de sortir mes bacs, mais je vais pas les utiliser tout de suite. Là. Fait que je les a pas encore sortis. Mais comme pour l'instant, j'ai juste comme vidé l'été. Installer les choses qui étaient comme plus haut que j'avais comme gardé, mettons. Puis comme toutes les choses, comme les jeans, tu sais, qui ont resté là à l'année, mettons. Tu sais, parce qu'il y a déjà du stock là qui est comme automnal, mettons. Plus une couple de petits achats. Mais là, je vais sortir mes bacs. Puis là, c'est là que je vais voir comme qu'est-ce que j'ai comme petit t-shirt puis comme cardigan. Puis après ça, si j'ai vraiment besoin de quelque chose, j'irai chercher. Mais sinon, c'est ça. La seule chose que je trouve que j'ai pas, c'est genre comme des grands t-shirts. Tu sais, moi, j'aime ça être comme en grand t-shirt, surtout quand je travaille, là. Fait que ça sera probablement quelque chose à restocker, là. Tu sais, j'en ai pas vraiment, tu sais, comme... Tu sais, t'es pas spi, là, mais je dis comme... Tu sais, vraiment loose, là, comme oversize. Puis c'est pour ça que ces deux sweatshirts-là, je les garde, même s'ils ont comme des taches dessus, puis ils ont plein de vinyle dessus. Comme que j'enlève, puis qu'ils sont boulouteux parce qu'ils sont maganés. Parce que je les mets tout le temps. Mais c'est ça, c'est comme... je me... En plus, je prends comme le... comme quand est-ce que je transfère du vinyle sur une tasse, mettons, mais il y a comme un papier transfert. Puis ce papier transfert-là, des fois, il est trop collant, ça, je le cause mon gendarme, tu sais. Pour comme le faire, comme, être moins collant, genre, en tout cas. C'est comme des techniques, là. Mais vu que je fais ça, tu sais, ça comme brise mes chandails. C'est pour ça que j'ai comme souvent ces deux sweatshirts-là. Quand je travaille, deux, trois, là, que j'ai comme ça. Fait que ça, je les garde. Puis, sinon, ben c'est ça. J'aime ça, là, comme le soir, comme être en loose, là. C'est comme, celui-ci qui est comme correct, là, mais beaucoup de chandails, justement, que je dis, là, qu'on dirait... Tu sais que je m'aperçois qu'il y a comme une sensation que j'aime pas. On dirait que j'ai plus envie de les porter. Puis je m'aperçus que, ou comme, mettons, des fois, il y a comme trop d'assouplissant, ça aussi. On dirait comme l'espèce de texture que ça fait au chandail, ça me tanne.
Fait que faut vraiment que je fasse attention à ça parce que je pense que je suis comme... J'avais jamais réalisé ça, mais là, maintenant que je le réalise, on dirait que ça va comme faire une différence, tu sais, ça va me faire comme m'aider, mais aussi comme... Ça me fait comme rejeter du linge, tu sais. En tout cas, je me comprends. Fait que c'est ça, c'est d'aller avec plus de qualité, j'imagine aussi, puis de d'investir dans des matériaux qu'on sait que ça reste plus beau. Donc voilà, c'est ça. Mais il y a des chandails que j'avais oublié que j'avais, comme qui étaient comme pitchés en haut, et j'étais comme, ah, tu sais, mettons, avec une paire de petites shorts de jeans, ça va être cute, tu sais, même si c'est en petit lainage, mais que j'ai jamais porté de l'été, puisqu'il faisait plus 38 tout l'été. Mais là, je suis comme, oh, c'est vrai, j'avais ça, j'avais acheté ça dans ma main. En tout cas, fait que j'ai vraiment hâte d'ouvrir mes bacs, mais je les ouvrirai pas tout de suite. Pour l'instant, je suis vraiment comme dans le clean-up, désencombrement. Transfert de saison. Puis après, quand ce que ça sera tout prêt, là, on ira, on mettra du stock dedans. Puis après, on choisit. Puis je vais aussi trier ce linge-là. Fait que je vais probablement avoir d'autres que j'aimais peut-être la saison dernière, mais que là, j'aime plus ou qu'il me fit plus ou que finalement, j'aime pas. Je suis comme, oh, j'aille ça parce que ça me pique. En tout cas. Puis après ça. Au pire, ben, il y aura un autre petit shopping, puis on se tiendra tranquille. Mais je veux aussi me faire des petits chandails d'automne, des petits chandails de Noël. Fait que, ouais. Puis je sais que j'ai comme un sweatshirt, que c'est comme October Girl. Puis je sais qu'il est très petit, fait que je pense que je vais peut-être en faire un nouveau pour cette année. Parce que j'aime vraiment ça, hein. October Girl, ça me représente. Et yallo! Bon, fait que j'ai sorti le reste. Je vais le trier. Puis, là, ici, mais il y a les deux paniers que je viens de vous montrer. Mais bon, c'est ça, on va trier ça. Ah, j'ai trop de linge, trop de size. Tu sais, j'ai vu du medium passé, j'ai vu du large passé, j'ai vu du X large. C'est au moins. Fini, je voulais vous montrer, j'ai pas mis ça le jour au Marshalls. Puis j'étais comme, oh my god, ça va être cute comme cet hiver, tu sais. Mais je l'ai déjà porté une fois, là. Mais genre, tu sais, c'est comme vieux bleu, on dirait, je sais pas, snow. Donc, lui, pas mal, c'est ça. J'ai pas tout trié, j'ai quand même gardé encore quelques. Petite chose qui me fit pas, mais on sait jamais l'été prochain, mais presque pas, genre. Juste surtout des belles robes, là, mettons. Mais le reste, ça va tout s'en aller dans le bac pour l'été. Puis il manque mes habits de bête, mais sinon, il manque rien. Là. Peut-être une petite paire de shorts de reste là, dans le lavage, là, mais je pense pas là, comme que qu'est-ce que dans le lavage et. Et du stock d'été, là, t'sais. Il me reste comme les habits de bain. Puis je vais aussi faire un gros clean-up dans mes bobettes, dans mes bas, puis dans mes brassiers. Mais ça, je vais m'abstenir, mais probablement peut-être un tri de bas, là, que je montrerai. Parce que j'ai beaucoup de bas. Mais sans doute pas pareil. Il y a quelqu'un qui mange les bas. Puis j'ai aussi encore mon merce là, en haut, là, là, de linge peintu. Il faudrait que je le pongerai. Puis il y a aussi mes chandails acadiens. Fait qu'un coup, ça va être vraiment aussi. Hein. C'est pas mal ça. Comme deux petits paniers en bas que je sais comme pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Faudrait que je regarde, mais d'après moi, c'est comme des shorts dormis, comme trop petites, des affaires de même. Puis j'ai aussi comme mis comme genre tous mes t-shirts ensemble. J'ai quand même gardé comme des t-shirts qui étaient plus comme couleur été. Ultra huge, que j'étais comme, ah, je vais les porter quand même, quand je travaille, tu sais. Puis que je suis pas comme vraiment comme en public, on dirait, tu sais, que. Ou comme des. Tu sais, des fois, je les mets comme juste en dessous des sweatshirts. Juste pour pas avoir besoin d'en racheter. Parce que de toute façon, comme que je dis, mes chandails comme ça brillent ceux que je travaille avec. Fait que c'est ça que c'est. Fait que je vous montre ça, je retourne la caméra. Là, il y a comme un petit bac, là, comme des stocks, comme roulotte un peu, là. Puis des affaires de comme crème solaire, pis ça.
Enlever de là. Bon. On trouve toujours la poussière, hein? Puis des papiers, puis des cochonneries. Elles sont trop douces, trop douces, trop confortables. Il reste juste 2%, fait que je vous montre ça vite fait, là. Fait que ça, c'est pas encore organisé, là. Comme vous voyez, j'ai juste comme tout enlevé qu'est-ce que je porterais plus. Donc ici, ça a l'air à ça. Les sweatshirts, ça prend beaucoup de place. Les jeans, tu sais, éventuellement, ça prend plus de place, puis ça va se taponner là. Là, c'est comme tout des jogging. En tout cas, fait que j'ai organisé ça autrement. Ici, j'ai encore des petits chapeaux d'été. Ça, on dirait, c'est comme mes vides poches, là. En tout cas, c'est sûr de faire la dernière, les élastiques, là. Puis, il y a ce petit coin-là qu'il faut que je finisse. Ça va être ça. Après ça, ben, je pourrais rentrer mes affaires d'automne. Ça va être moins satisfaisant parce que je vais les mettre à terre. Ça montrera plus le... Je pense pas, Noé, 36. Ben, je vais essayer de les mettre dans le panier. 47. 48. Toutes les leggings que je mets, c'est parce que c'est plus la bonne size, là. 49. 50. Peut-être j'aurais le gardé, lui, par exemple. 49. Là, si jamais vous me voyez avec quelque chose qui est là-dedans, ça se peut qu'il y en a un que j'ai changé d'idée, là, tu sais. 50. 51. 52. Donc, quand j'ai fait le tri, je m'en aperçu que c'était pas la bonne size. Ou 53. 54. Des mini crop top. Non, merci. 55. Là, je suis comme, je parle en même temps, puis je suis comme, est-ce que j'ai dit le bon chiffre? Ça, tu peux skip, puis ça n'a pas rapport. 57. 58. 59. 60. 61, mais lui, il va à la poubelle. 62, lui, tout, il finit. 23. 64. Et. Oh! Chiffre juste. 65. Puis j'avais décidé de garder celui-là, même s'il m'a gagné, juste pour quand je travaille, puis mettre en dessous. Puis qu'est-ce que je m'en débarrasserai? Je vais le jeter. Hello, Charlo. T'es beau. Tu dis-tu bye aux amis? Dis bye. Bye, à la prochaine, on se voit dans le prochain vlog. Merci de suivre le vlog, Tom. C'est une belle face de bébé. Je suis un bébé. Un chou. Bye, les amis. Dis-tu bye, Charlot. Dis bye, les amis. Bye. Merci d'avoir été là. On se rejoint sur le prochain vlog. Satisfaction. 65 morceaux. À moins que j'ai mal compté. C'est peut-être soit 4 ou soit 6, là. Je vais rire au montage.